Salut, c'est André, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Traffic Mania. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi j'ai profondément changé ma vision de YouTube et les implications que ça a en termes de publication, en termes de nombre de vues de vidéos. Voilà, j'ai maintenant une vision assez claire des choses parce qu'en fait, vous le savez peut-être, j'ai deux chaînes sur YouTube principales. J'ai Traffic Mania, que vous connaissez, et j'ai ma chaîne de Judo Jujitsu. Et c'est intéressant parce que sur la chaîne de Judo Jujitsu, on a des vidéos qui ont fait 50 000 vues, 80 000 vues, 100 000 vues, 150, 200, même plus de 300 000 vues. Et j'ai Traffic Mania sur lequel le nombre de vues est beaucoup plus restreint. Et je vais vous expliquer donc pourquoi j'abandonne totalement sur Traffic Mania, du moins la notion de viralité, pourquoi c'est absolument plus quelque chose qui m'intéresse dans la stratégie pour Traffic Mania. Donc je vous explique ça, je vais repasser en petit. Et donc je vais vous expliquer un peu. Et on va voir un peu en fait les modèles qu'il existe sur YouTube. Donc j'ai ma chaîne Traffic Mania qu'on va appeler TM et j'ai ma chaîne de judo jujitsu qui s'appelle Dojo en ligne. Vous pouvez aller voir. Sur Dojo en ligne, on a un certain nombre de contraintes. Donc en fait, on ne peut pas tout à fait faire ce qu'on veut en termes de fréquence de publication. On essaye d'en tourner une par semaine, mais là c'est compliqué. Il y a eu le confinement. Il y a une contrainte partenaire. C'est-à-dire que mon prof souvent prend son fils pour les vidéos et il n'est pas toujours disponible. Ensuite, il y a la contrainte salle. Donc, on dispose de la salle quand il n'y a pas de cours, etc. Donc, c'est pas si évident que ça. Puis, il y a les contraintes de calendrier, les compétitions, les machins qui font que les week-ends, des fois, ben, les gens sont pas forcément disponibles. Donc, on a un rythme qui est assez lent, mais ce qui va compenser, c'est qu'on fait des vidéos qui font énormément de vues. Donc, si vous allez voir la chaîne, vous verrez des vidéos qui ont fait 30 000 vues. Des vidéos qui en ont fait 50, des vidéos qui ont fait 100 000 vues, des vidéos qui ont, je crois qu'il y en a même une qui a dépassé les 300 000 vues. Donc ça commence à être vraiment pas mal pour une chaîne qui a, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, une chaîne qui a un an et demi. On a sur cette chaîne, on va dire, un rythme de publication qui est lent et des nombres de vues qui sont vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très élevés. Donc je pense qu'on doit avoir 30, 35 vidéos max. Et que à peu près la moitié des vidéos, elles ont fait au moins 20 000 vues. Voilà, au moins 20 000 vues par vidéo, je pense en moyenne. Voilà, là, vous avez à peu près la moitié des vidéos. Sur Traffic Mania, c'est vraiment différent. Sur Traffic Mania, le rythme de publication, il est maintenant très élevé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis à 2 par jour, quasiment tous les jours. Alors 2 par jour, 1 par jour, je sais pas. 2 par jour, pour le moment, je suis en test. Peut-être que je retomberai à 1 par jour. J'ai pas encore vraiment de certitude, mais en tout cas le but sur Traffic Mania, c'est au minimum c'est un article écrit par semaine et 5-6 vidéos par semaine. Et aujourd'hui je suis plutôt à un article écrit et en termes de vidéos je suis entre 10 et 12 vidéos par semaine, donc je suis entre 11 et 13 contenus sur Traffic Mania. Donc effectivement, quelles sont les implications que ça a sur les stats de travailler de cette façon sur Traffic Mania? Bah moi sur la chaîne de judo, j'ai remarqué un truc, c'est que c'est pas parce que vous faites de la vidéo qui devient virale que vous chopez plus d'abonnés ou que vous chopez plus d'inscrits. Le but de tout ce qu'on fait hein, sur YouTube ou en blogging, c'est de réussir à prendre des inscrits newsletter. Eh ben, j'ai constaté que c'est pas parce que vous faites une vidéo à 100 000 vues que vous avez 100 000 inscrits qui viennent s'abonner à votre newsletter. C'est pas vrai. D'accord? C'est pas vrai. En gros, moi, ce que j'ai remarqué sur le judo, c'est que j'ai une vidéo qui fasse, en gros, 20 000 vues, ou une vidéo qui fasse 100 000 vues, elle va me rapporter, grosso modo, à peu près le même nombre d'inscrits. Il n'y a pas un ratio de x5, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que quand vous faites des vidéos qui font 100 000, 200 000, 300 000 vues, ça vous ramène plein, plein, plein de touristes. Je vous prends un exemple, tout simple. Imaginez que sur Traffic Mania, je fasse une vidéo sur comment gagner, je sais pas, moi, 100 euros avec Google. Comment gagner 100 euros par mois avec Google? On est d'accord que ça, c'est typiquement le genre de vidéo qui ramènerait un trafic de malade. Ok? Je ferais plein de trafic, mais avec un sujet comme ça, je suis quasiment sûr d'avoir un trafic de touristes. Et par exemple, sur notre chaîne de judo, j'ai remarqué que la vidéo qui fait le plus de vues, c'est celle qui explique comment on fait un mouvement qui s'appelle Dehashibarai, qui est un balayage. Et en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui viennent voir la vidéo sur le balayage, qui sont juste dans un truc un peu self-défense, et qui veulent faire des balayettes dans la rue, quoi. Qui veulent,
en cas d'agression, balayer le mec en face. Donc c'est pas du tout des gens qui vont acheter de la formation de judo. Donc en gros, c'est que quand vous faites énormément et énormément et énormément de vues, c'est pas pour autant que vous ramenez du bon trafic. Surtout si vous êtes dans une niche où il n'y a pas non plus 50 millions de personnes. J'ai remarqué également que il y a un truc qui est super important, c'est le rythme. Alors ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Il y a une vidéo qui s'appelle « Pourquoi j'ai décidé de publier plus sur Traffic Mania » où j'explique les raisons de ce choix. Mais en gros, le rythme, ça montre aux gens qu'en fait, il se passe quelque chose. Et il y a une espèce d'intensité. Les gens, ils reçoivent les emails, ils veulent pas rater l'information, ils restent collés au blog, ils restent collés à la chaîne. Tous les jours, ils vont consulter votre truc. Et quand vous publiez pas, il y a même des gens qui écrivent et qui disent « Ah, mais t'as pas publié, tu nous as oublié, pourquoi comment ça se fait qu'on n'a pas eu l'information, etc. » Donc, cette histoire de rythme, en fait, elle a un vrai impact vente. Elle a un vrai impact vente. Et moi, finalement, je préfère, si vous voulez, faire des vidéos qui tournent autour du sujet blogging, qui vont me ramener entre 600 et 2000 vues. Mais c'est du trafic qui est vraiment là pour le blog. C'est pas genre le mec qui veut juste gagner 100 balles avec Google sans rien faire. Et donc, je préfère en faire, je sais pas moi, on va dire 10 par semaine, et faire en fait chaque semaine entre 6000 et 20 000 vues. Plutôt que d'en faire une qui va peut-être faire 5 000 vues, je parle de Traffic Mania, qui va peut-être faire 10 000 vues, mais qui fera sans doute pas 100 000 ou 150 000. Et en fait, moi, ça m'intéresse pas de faire des vidéos qui font 1 million de vues, parce qu'encore une fois, ça va me ramener des gens. Je veux dire, je pourrais parler de marketing au sens large. Moi, je vends des formations pour les blogueurs. Donc, ça m'intéresse pas d'avoir des gens qui cherchent des infos pour faire un cours de marketing, par exemple. Moi, c'est des gens qui sont blogueurs, youtubeurs, qui viennent sur ma chaîne. Donc, c'est pour ça que, sur Traffic Mania, je me suis dit, mais je vais faire des petits contenus utiles qui vont me ramener du trafic qui est ciblé. Je vais faire des petits contenus utiles qui vont me ramener du trafic qui est ciblé. Et je vais les faire à haute fréquence. Parce que même si c'est pas spectaculaire de faire une vidéo qui fait 1000 vues, il y a rien de dingue à faire 1000 vues, hein. Et ben, si j'en fais 10 par semaine, ben, je fais 10 000 vues. Voilà. Je fais 10 000 vues chaque semaine. Et donc, je fais 40 000 vues par mois sur, une thématique qui est très, très ciblée. Et donc, avec, comme c'est utile et que c'est ciblé, avec du trafic qui vient de l'inscrit. Et c'est pour ça que Traffic Mania, même si ça fait moins de vues que la chaîne de Judo Jujitsu, au final, au global, ça fait plus de vues quand même. Et ça fait plus d'inscrits et ça fait plus de business. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette vidéo? C'est que si vous n'êtes pas trop contraint sur YouTube, je parle pas de blogging parce que c'est compliqué de maintenir un niveau de qualité en blogging, en écrit, en faisant tous les jours, etc. Mais si vous êtes contraint, si vous n'êtes pas trop contraint sur YouTube, si vous pouvez aller vite, par exemple avec de la tablette graphique comme je le fais, si vous êtes hyper organisé, ben, vous pouvez réussir à développer votre business avec de la fréquence. Et donc, bah, comment je fais, moi, par rapport à mon organisation? Je veux dire, c'est devenu une machine, hein, maintenant, Traffic Mania. C'est-à-dire que le vendredi de la semaine précédente, je vais lister mes sujets. Donc, je vais lister mon sujet d'article écrit et je vais lister une dizaine de sujets de vidéos. Ça, c'est le vendredi de la semaine moins 1, d'accord? Ensuite, il y a le week-end qui passe. Le week-end, j'essaie de pas trop bosser. On fait juste un peu de support. Et ensuite, le lundi, je fais mon article. Donc ça va me prendre une demi-journée ou un peu plus, ça dépend de mon état de forme. Et ce que je fais, c'est que le mardi, j'essaie de faire 6 vidéos, et le mercredi, j'en fais 4 à 6. 4 à 6 vidéos. Oula, c'est pas comme ça que j'aurais dû faire. Le mercredi, j'essaie d'en faire 4 à 6. Là, c'est le confinement, c'est plus simple, quand l'école aura reprise, le mercredi, il y a mes enfants, il faudra peut-être que je change. Et donc, si je prépare pas mes sujets à l'avance, je peux pas le faire. En gros, le mardi, j'arrive, mon plan, il est déjà fait. Je vais dans Evernote, et dans Evernote, j'ai vidéo 1, le plan, tac, 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 tac. Vidéo 2, le plan, tac, 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 tac. Et comme ça, je déroule, je veux dire, je mets le pied, je mets l'appareil photo, et bam, 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 j'envoie. Et je prends ma tablette graphique, et boum, 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 j'envoie. Ensuite, j'envoie tout ça à mon monteur, donc qui est prestataire, qui travaille sur Upwork. Voilà, donc j'envoie tout à Luc. Il me fait le montage. Et il me reste les autres jours. Vendredi, samedi, dimanche. Et donc, le jeudi, enfin, j'essaie de travailler un petit peu sur mes offres payantes, ou alors de travailler un petit peu sur le judo jujitsu quand il me reste du temps, etc. Mais en clair, c'est que aujourd'hui, si j'ouvre mon agenda Hotmail, ou Gmail, peu importe, si j'ouvre mon agenda,
vous allez voir en fait tout mon planning de publication, donc du lundi au dimanche, et je sais le contenu 1 et le contenu 2. Le contenu 1, le contenu 2 pour chaque jour, le contenu 1, le contenu 2. Et quand vous ouvrez la petite fiche dans mon planning, j'ai déjà tout préparé. Il y a le titre, il y a la description YouTube, il y a l'email, il y a les tags, etc., etc. Pour chaque truc. Comme ça, ma salariée, en fait, on se partage un agenda et elle, elle sait que bah, la veille, elle doit charger le truc dans l'autorépondeur, charger la vidéo dans YouTube, la programmer, charger l'article dans WordPress, le programmer, faire la vignette, machin, machin. Et en fait, c'est hyper cadencé, en fait. Et c'est comme ça qu'on arrive, sans bosser comme des malades, mais qu'on arrive à tenir le rythme. Et depuis que je le fais, ben, j'ai une vraie augmentation en termes d'abonnés. J'ai une vraie augmentation en termes de vues. Et j'ai une vraie augmentation en termes de ventes, hein, sur Traffic Mania. Et bien sûr, je pourrais pas le faire sur le judo. Ça serait compliqué de faire 2 vidéos par jour sur le judo parce que les contraintes de montage, elles sont beaucoup plus importantes. Parce que il faudrait tourner comme des malades. Et le corps humain, à un moment, quand vous faites 1 heure, 1 heure et demie de vidéo, les gens, ils sont déjà crevés parce que c'est hyper physique. Après, vous pouvez pas en faire plus, quoi. Mais posez-vous la question de comment vous organiser. Parce que ça peut sans doute valoir la peine pour vous d'abandonner toute ambition de viralité au profit de la fréquence. Et ça rend les choses plus simples parce que moi je le vois, hein, les vidéos de judo qui sont virales, ou même sur Traffic Mania, celles qui ont fait le plus de vues. Alors c'est bien, je suis content, elles ont fait plein de vues. Mais en termes de temps passé, c'est ultra, ultra long. Hein. C'est des vidéos qui sont très, très scénarisées, qui sont très, très montées, avec pas mal d'animations. Sur Traffic Mania, il y en a, hein, des comme ça. Donc quand... une vidéo comme ça, elle fait, je dis n'importe quoi, 30 000 vues, vous êtes content. Mais quand vous êtes gouré sur les mots-clés, machin, que ça intéresse pas trop les gens, et que vous avez passé un temps de malade, et qu'au mieux la vidéo, elle en fait 4 000, vous dites, ouais, le temps que je fasse cette vidéo-là, j'aurais pu en faire 10, qui me faisait 1 000 vues, et je faisais 10 000 vues, quoi. Ok. Voilà, il y a une vraie question à se poser. Moi, en tout cas, aujourd'hui, je vais rester sur un article par semaine parce que je suis blogueur. Je vends pas de formation blogging sans bloguer. Moi, je blogue. Et YouTube, parce que bah, ça a ce côté renouvellement du trafic, super important, croissance de l'entreprise, en appliquant cette stratégie qui consiste bah, à saturer, tout simplement, à saturer parce que derrière, je republie sur Facebook. Je pense que je vais prendre un outil de planification pour qu'on aille aussi sur Twitter, sur Insta, sur Pinterest, et qu'en gros, il y ait 10 publications par jour, 10 opérations de promotion par jour autour de Traffic Mania. Parce que si je publie 2 contenus par jour Traffic Mania, et que je fais 2 publications Facebook, 2 publications Twitter, 2 publications Insta, 2 publications Pinterest, plus les emails, machin... Enfin, je veux dire, je fais une promotion de fou, et bah, dans la thématique, les gens qui arrivent, à un moment ou à un autre, ils finissent par entendre parler de moi, vu que j'essaye d'être partout à la fois. Donc, voilà, question à vous poser, qui mérite une sacrée réflexion, et que je vous encourage à avoir. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, vous recevrez une formation trafic, vous recevrez des astuces exclusives par email, et vous serez au courant de toutes les vidéos qui sortent sur YouTube, car je n'en parle pas forcément toujours dans les emails. Voilà, soyez inscrits tous les côtés, comme ça vous manquez rien, c'est ce qu'il y a de plus simple. Merci beaucoup, salut, ciao.